Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Aussi peut aller tutoyer le sommet, à condition bien sûr de canaliser un petit peu son énergie, et pour l'instant il est en train de le faire. Wow. Il flirte avec les limites, il est là, il est mis à présent de ce côté à droite. Oui. Semble-t-il, c'est fait. Complètement de travers, ça va être compliqué. Alors, en tout cas, Julien Pissonnet dans de bonnes dispositions actuellement sur cette première partie. C'est avec l'entre-vigoule, va-t-il pouvoir surgir comme il le souhaite? Non, il vient de se faire surprendre. Il reste coincé littéralement. Ça va être compliqué pour lui. Non, Valentin Barbier, donc. Oh!
refaire avec une option. C'est intéressant en tout cas, grosse attaque de la part de Luke Mouadé qui va dépasser les 180 mètres dans quelques instants, en tout cas qui s'attaque au deuxième. Avec un énorme saut sur les 150 mètres, il va essayer d'aller chercher la trace de Luke Mouadé. Du côté de Lyon, là où aura lieu la finale de ce championnat de France de montée impossible au mois d'octobre. Qui est à l'attaque, le 200 numéro 21 en tout cas qui va très rapidement sur. Les traces de Guillaume Fric actuellement et qui se hisse actuellement sur le bord droit de cette montée et qui Julien Saporitis, le représentant de la Bresse, le dessin numéro 9, donc qui est actuellement en train de se lancer et qui lui aussi peut aller tutoyer le sommet à condition bien sûr de canaliser un petit peu son énergie et pour l'instant il est en train de le faire. Wow! Je vous rappelle, c'est la vitesse pour Lucia qui fait la différence. Il flirte avec les limites, il est là, il est mis à présent de ce côté à droite. C'était.
Allez, Daniel. Il est passé sa marque, c'est fait. Il est là, il est bien dans le top 2, peut-être pour aller chercher le meilleur principal. Allez. C'est ça le problème moteur sur les premiers mètres, il prend complètement. Et le passé, 39 km/h, il n'a que le deuxième temps, mais regardez, c'est hyper efficace en tout cas pour l'instant. Il va très très vite du côté gauche, il reste... Aïe aïe aïe. Le 200 numéro 93 sous la machine, tout simplement. Voilà, donc il va pouvoir, semble-t-il, se sortir par ses propres moyens. Réaliser la performance qui va lui permettre de rentrer dans le top 3. En tout cas, il est bien parti avec une option complètement à gauche. Il faut le plus pour essayer d'avoir la vitesse et à la ligne, il est encouragé. En tout cas, c'est parfait, ça part très très loin. Mesdames et messieurs, on n'est peut-être pas loin du sommet. Et c'était pas loin, il a la rage. Mais c'est peut-être le meilleur performeur de la journée pour le moment. On va en avoir le cœur net d'ici quelques instants. Le représentant de la race. Ce qui est pris également du côté de Jules Lapierre qui n'hésite pas avec peut-être un petit peu moins de vitesse. Il est tout aussi efficace. Regardez, il est en train de se déclencher littéralement. Aïe, aïe, il est obligé de changer de trajectoire. Quel dommage! En tout cas, c'est bien parti pour Loïc qui est en train de tout lâcher, mesdames et messieurs. Le sociétaire de l'Aveiro qui est en train d'aller chercher des mètres supplémentaires.
Smocinato qui a décidé de récidiver son motil dans ses belles performances. Dans un premier temps de prendre complètement à gauche et qui essaye de trouver la bonne solution. Aïe aïe. La machine malheureusement qui est hors de contrôle, qui continue sa descente assez impressionnante. Il reste scotché actuellement sur l'autre côté droit. Il n'ira pas plus loin. Ah, quel dommage. Quel dommage. Il est déjà aussi. Il est d'ores et déjà. Il marque qui a été dépassé pour la pilote. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, la machine a quitté. Wow. Les 80 premières de cette quatrième et dernière manche du championnat de France et qui s'est employé comme il pouvait et qui là aussi a fait une chute. Pierre qui vient de se lancer le 291, actuellement 35e avec 175 mètres. Qui essaie de se sortir du boulet principal. À battre pour lui, Sia, avec une option complètement à non, il y a un souci là aussi, Sia. Un petit peu différent pour essayer de sortir avec la vitesse sur le quart-plein principal. Il reprend sur le centre pour aller chercher maintenant le côté droit de cette montée de l'arête. Ouais, pas mal. Oups, avec une petite raquette et Tony Laporte qui a parfaitement géré le coup. Car ici, à compenser, malheureusement, il a dû sacrifier sa vitesse pour pouvoir se reprendre et surtout ne pas chuter. Tony Laporte, donc, qui choisit une petite. Qui est à l'attaque, qui tente une nouvelle fois l'option à gauche, qui arrive à se sortir à des 150 mètres. Le premier piège, le deuxième est passé également. Il y a un petit, en tout cas, qui est en aïe, aïe, aïe. Avec une option à droite, à gauche pardon, et en pique au centre, il revient sur cette partie droite de la montée de l'arête, et avec une vitesse suffisante semble-t-il. Dans un style trial. Il s'est fait piéger à la sortie du boulet, mais attention, il s'en comptait sur son expérience incroyable. Le multiple champion de France, regardez, qui a petit à petit grimpé les étapes, passé étage par étage. Va-t-il tenter le mur final sans vitesse? En tout cas, il s'y emploie, il se met dans l'axe, il se met complètement de biais pour essayer d'aller chercher cette place supplémentaire. Peut-être rentrer sur la boîte dans le top 3, en tout cas, mesdames et messieurs, il est là, regardez, avec toute la puissance de sa machine, il va déposer
semble-t-il, dans le dernier mur, sa moto SFS, Stéphane Pirel. Incroyable. De Vincent Bougenot. C'était plus juste. On va prendre 750. Il continue. Il est là. Il poursuit. Il reste à la limite. Il se bat comme un bien. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas plus loin. Attention à la machine. Meilleur performeur sur les 80 premiers mètres, 50 km/h de moyenne. L'attaque de Gilbert Perrin qui est dans le monde en passage, en tout cas, il est dans les bonnes conditions, mesdames et messieurs, pour aller chercher le top 3 et peut-être le sommet. Pas de changement, 212. Il reste. Il est là. Ça ne passera pas, vous l'avez vu, la machine c'est l'embrayage et donc il prend. Non, c'est pas l'embrayage, c'est le moteur qui est passé. Et vous avez vu tout de suite la solidarité avec Hugo Guimard qui s'est proposé pour faire en sorte que la machine soit présente au départ et donner la chance à Jonathan Decker peut-être d'aller franchir le sommet sur une machine qui peut lui convenir en tout cas. Qui lui donne alors, mesdames et messieurs, des encouragements s'il vous plaît. Pour celui qui est du motoclub d'Arrête, Jonathan Decker, on ne vous entend pas s'il vous plaît. Allez, plus fort encore, Jonathan Decker, le dernier peut-être à aller chercher la victoire ici. Arrête. Allez, allez, mesdames et messieurs. Les dernières recommandations du lot, c'est tout simplement tu peux y aller. Attention à ne pas voler. Incroyable. Mesdames et messieurs, Jonathan Decker qui joue le fond à tout actuellement. Lui qui est à la 5ème position. De moyenne qui est là, bien placé, qui va essayer de se positionner, qui fait le maximum en tout cas, qui est là, la machine du Bolivar qui tient bon pour le moment, aïe aïe aïe, ça n'ira pas plus loin. Et la teneur d'applaudissements s'il vous plaît pour le podium. Et les applaudissements donc s'il vous plaît pour la catégorie du professionnel. Retournez. Merci à vous, mesdames et messieurs, Vincent Bougenot. Ça veut dire que l'expérience a triomphé aujourd'hui parce que deux pilotes expérimentés face à un jeune loup qui est certes champion de France déjà, mais qui a du mal à aller chercher cette victoire. Alors, les différents trophées offerts par la mairie du motoclub d'Arrête, le petit cru local, encore une fois à consommer avec modération, mais si vous aimez, n'hésitez pas à en reprendre plusieurs fois dans les différentes boutiques de la région. Un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble de ce podium du championnat de France, et avant de vous libérer.